bien sûr à tous les amis, c'est Izuki et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la suite de la série The Old Farm. Aujourd'hui on est parti pour le 7e épisode, pardon. Aujourd'hui on va faire du décompactage et après, bon, pour l'instant on va faire du décompactage, normalement après j'aurai une petite idée de ce qu'on pourrait faire. Donc j'étais en train d'y penser justement tout à l'heure, c'est en fait de couper tous les arbres qui sont ici, tous les arbres, et faire un énorme champ. Ça pourrait nous agrandir du terrain, on s'éviterait de faire petit champ par petit champ, etc. Donc on aurait un grand champ comme le numéro 30 qu'on va décompacter juste maintenant. Donc voilà, et peut-être que par la suite aussi, on achètera le champ, la sauvegarde bien sûr, le champ 6 pour agrandir les serres. Donc les amis, on va parler un petit peu avant que je vous fasse un petit timelapse, que je vous fasse des jolis petits plans, etc. J'aimerais parler un petit peu avec vous en fait de la chaîne. La chaîne est très bien en ce moment, elle se porte très très bien, je suis content de mon retour. C'est pour ça que je prends un énorme plaisir à vous tourner des vidéos. Mais il y a quelque chose que j'aimerais vous demander, c'est... là vous savez, j'ai lancé un... Enfin, du moins pour ceux qui regardent la chaîne, j'ai lancé un nouveau concept, c'est des genres de mini vidéos si je puis dire. En mode semi-roleplay. Donc j'aimerais savoir, en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir dans ce genre de mini-série roleplay ou d'autres vidéos, par exemple de l'épandage de fumier comme je viens de le faire, ou quelque chose d'autre, par exemple de l'épandage de chaud, des trucs qui ne se font pas, bien sûr, dans une chose un petit peu mise sur le roleplay, axé sur le roleplay. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous aimeriez voir en vidéo, ou même des séries, des choses que vous voudrez que j'essaye de faire en tout cas. Et aussi pour les défis de cette série, parce que là on approche bientôt du 10e épisode, et le 10e épisode ça va être une petite pause en fait. Je vais essayer de faire d'autres contenus en fait, d'autres contenus de vidéos, toujours sur Farming bien évidemment, mais d'autres contenus de... pas une autre série, mais en tout cas essayer de faire d'autres choses. Donc voilà, donc en tout cas si vous avez des idées de ce qui pourrait être fait ou autre, n'hésitez pas à les dire en commentaire, et aussi ce que vous pensez des vidéos, parce que j'ai quand même beaucoup de trucs à améliorer, notamment la qualité. Il y a un truc que je n'arrive vraiment pas du tout à améliorer, je comprends pas du tout. Donc voilà, donc si vous avez des idées, des choses, en tout cas des choses à me dire en commentaire, n'hésitez pas, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc voilà. Donc moi, on va faire ce petit décompactage ensemble là, pendant une petite 5 minutes, un petit truc comme ça, histoire qu'on parle de la série, de la chaîne, etc. Comme on vient de commencer de le faire. Donc voilà. En tout cas, moi, je suis vraiment très très content d'avoir repris les vidéos farming en fait. Bon, j'aimerais faire d'autres types de vidéos en fait, mais je ne sais pas justement si ça marchera. Donc je pense que pour l'instant, on va rester axé sur farming. Du coup, bah, c'est un peu le contenu principal de la chaîne en tout cas, mais j'aimerais bien faire d'autres jeux comme du Minecraft, en tout cas, enfin du moins des jeux un petit peu tranquilles, etc. Pas non plus des Valorant, des Fortnite, des trucs comme ça. C'est vraiment pas, enfin, je vais pas dire que c'est pas mon truc, mais je veux dire c'est le genre de truc en vidéo qu'on voit partout en fait. On voit partout, dès que je vais sur YouTube, moi par exemple, je vois que du Valorant, du Fortnite, parce que bon, après je regarde Fortnite, je regarde Valorant, donc j'ai que ça. Mais je veux dire, les contenus s'ensemblent, hein, vous regardez une game de quelqu'un qui joue, etc. Bon, Farming c'est pareil. Mais les séries sur Farming varient entre ce que la personne fait. Donc, par exemple, moi bah, j'ai lancé The Old Farm, qui restera une série, je pense, une des séries qui a le plus remarché quand j'ai refait ma chaîne, enfin quand j'ai recommencé YouTube. Donc voilà. En tout cas... voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous penseriez de je sais pas, une petite série Minecraft qu'on pourrait faire en live ou même en dehors. Donc voilà, s'il y a des choses qui sont intéressantes, que vous voulez que j'essaye de faire, même d'autres jeux, des petits jeux indés, des trucs, des petits jeux en tout cas que je pourrais tester et essayer, il n'y a aucun problème, n'hésitez surtout pas, même parce que... franchement, n'hésitez pas à m'écrire, même à me dire ce qu'il faut que j'améliore, etc. Ce que vous aimeriez voir, par exemple, dans cette série, parce que c'est aussi la vôtre. Vous m'aidez, vous me donnez des défis, etc. Bon, pour l'instant, il n'y a pas vraiment eu de défis depuis le début. Pour l'instant, j'essaie d'agrandir un peu la ferme avant de pouvoir faire des défis. Même s'il y a un défi que je vous ai caché, que je ne vous ai pas dit, c'est d'avoir les serres. Les serres, c'est très important. C'est un truc que j'ai remarqué. C'est un truc, enfin, moi, en tout cas, sur Farming, j'en ai pas fait beaucoup, beaucoup. Donc voilà. Ça me permet un peu de voir un peu ce fonctionnement là sur Farming. C'est des fonctionnements en fait que
depuis les, enfin depuis Farming 22 que je n'ai jamais vraiment touché, comme les usines, etc. C'est des trucs qui m'ont toujours un peu, j'ai toujours un peu mis de côté parce que moi ça m'intéresse pas, mais je me dis pourquoi pas essayer de voir ce que ça peut donner. Hein, on sait jamais. En plus, à ce qui paraît, j'ai déjà vu sur d'autres séries, c'est très 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 utile et ça fait beaucoup d'argent aussi. Donc pour une série où que on doit quand même atteindre un certain million d'argent, je pense que ça peut être très très sympa d'avoir une petite usine de tissu de trucs vu qu'on a les moutons, ou même bah du coup voilà, il y a plein de sortes d'usines bien sûr, mais voilà. En tout cas, moi je vais vous laisser. On a bien parlé au début de la vidéo, c'est toujours comme ça. Et puis après, moi, je vous laisse juste avec du gameplay, du jeu, quoi. Un petit timelapse, des petites musiques, des jolis petits plans de ce magnifique ensemble. On n'en a pas parlé, mais le John Deere 6930 avec ce décompacteur. Lemken, je crois, si je me dis pas. Ah non, c'est un Combinal. Je sais pas du tout si c'est Lemken ou pas. Non, je pense pas. Mais en tout cas, magnifique ensemble. Donc voilà. Bon, bah, les amis, c'était tout. Merci à tous. On se retrouve juste après quand on va faire quelque chose d'autre. À tout de suite. Les amis, ça sera tout pour cette vidéo que vous auriez vu. En fait, j'ai eu un petit problème sur OBS. En fait, OBS a enregistré le son du jeu,
et la vidéo, sauf qu'il n'a pas enregistré ma voix. Donc en fait, tout ce que j'ai fait du coup sur Farming hein, pour la suite de la vidéo, c'est enregistré, mais il n'y a pas de voix, donc je vais pas vous les mettre, ça sert un peu à rien. Même en accéléré, ça servira à rien, c'est pas très cool parce que j'avais parlé beaucoup de choses. Du coup, je vais vous expliquer juste comme ça ce que j'ai fait. Donc du coup, j'ai fini de passer le De passer, comment ça s'appelle? Mince, enfin, j'ai fini de labourer, de décompacter le sol. Ensuite, j'ai fait la vente de tout ce que j'avais dans mes jardins et les serres que j'ai posées. Et j'ai commencé à semer du coup du tournesol dans le grand champ que vous avez vu à la fin. Et dans les autres champs, du coup, on va refaire dans le champ 12, on va faire de l'herbe. Et dans les autres champs, on va faire de l'avoine. Comme ça, dès que l'avoine, on pourra la récolter, on pourra directement semer du blé ou autre chose, du colza. Donc voilà. Ça, c'est tout ce que j'ai fait dans cet épisode-là. Pour les autres épisodes, du coup, peut-être que pour le semis, justement, peut-être que je vais pouvoir vous le faire en vidéo. Comme ça comblera un petit peu. J'essaierai de la sortir assez vite. Donc je m'en excuse. Et puis c'était tout. Hein. Merci. C'était Yuki. Ciao.